C'est une question de contenu ici, non plus de durée ou de quantité, mais simplement une idée de qu'est-ce que ce contenu va apporter à votre chaîne et va finalement lui donner en retour. Dans ce cas, la question est assez simple. Vous préférez vous la jouer Durandal ou Fossoyeur? Vous avez envie de créer quelque chose de divertissant et d'intense, qui puisse tenir par le biais d'un décalage autour du contenu de votre vidéo, ou vous souhaitez plutôt être extrêmement complet et didactique, et ainsi emmener votre spectateur au cœur d'une réflexion profonde et intense autour de la thématique de votre chaîne? Au cœur de cette simple mais évidente question réside en premier lieu ce qui va développer une chaîne et la profondeur de celle-ci finalement. Ce qui va en découler par la suite car aujourd'hui énormément de créateurs et de concepteurs de chaînes YouTube préfèrent s'orienter vers une dynamique de vidéos plus importante et pas forcément un aspect aussi didactique que cela. Je ne dis pas que l'un est plus compliqué que l'autre ou plus difficile à mettre en avant, c'est d'ailleurs très difficile de juger à partir des deux sujets en fait. Le côté un peu posé et extrêmement light d'une vidéo peut inciter le spectateur à se plonger totalement dans le sujet et à apprécier un peu plus la démarche que ce que beaucoup de youtubeurs voient comme essentiel de rendre dynamique un sujet qui peut sembler barbant. Je vois toute une génération de youtubeurs qui vont à 200 à l'heure aujourd'hui, qui ne peuvent pas rester en place et qui du coup en deviennent assez insupportables parce qu'ils ont peur que le spectateur s'ennuie et ne réussisse pas à totalement rentrer dans une de leurs vidéos uniquement parce que selon eux, il faut absolument du rythme et de l'énergie pour tenir et non un véritable investissement autour du contenu de la vidéo. Et de l'idée de complémentarité entre sujet et base de création. Autour de cette question, il y a simplement une idée de qu'est-ce que la vidéo va apporter au spectateur et qu'est-ce que cette vidéo va surtout apporter de plus à votre sujet. L'aspect dynamique reste quelque chose qui doit être au centre de la création d'une vidéo. En cela, c'est important de créer un contenu qui avance et qui se noue parfaitement avec votre sujet. Et c'est une chose qui doit constamment rester dans votre tête tout du long de l'avancée et de la conception de votre chaîne et de vos vidéos finalement. C'est ce que j'ai toujours aimé au sein de YouTube. Cette idée qu'il n'y ait pas qu'une seule manière de créer une vidéo, ou qu'il n'y ait pas qu'un seul geste de création finalement. Il faut garder en tête qu'une vidéo didactique n'est pas toujours une vidéo qui se doit simplement d'être lente. Et en cela, moi personnellement, je resterai à jamais plus fan d'un Axolot ou d'un Fossoyeur que d'un Durandal ou d'un X The Sun. En un sens bien sûr, même si j'aime tout cela et que je continuerai de les suivre pour toujours et à jamais. Et ensuite vient une question qui me touche très personnellement en tant que monteur, est-ce qu'il faut justement amener peu ou beaucoup de montage dans vos vidéos ?